Quatrième rendez-vous poético-numérique à l'occasion du Printemps des Poètes 2021. La lecture d'aujourd'hui s'adresse aux grandes et aux petites oreilles. C'est l'histoire de l'amour entre un petit vieux, tout en sel, et une petite vieille, tout en sucre. Cet amour a pris la poussière au fil des années, et le désir s'en est allé. Les deux petits vieux n'arrêtent pas de se disputer. Il suffit parfois de saupoudrer sa routine d'un peu de sel et d'un peu de sucre pour réveiller l'amour et le désir des premières fois. Les deux maisons. Une histoire contée par Didier Kowarski, illustrée par Samuel Ribeyron, aux éditions Didier Jeunesse, dans la collection À Petit Peton. Il y avait une petite maison qui était tout en sel. Dans la petite maison qui était tout en sel, il y avait un petit vieux qui était tout en sel et une petite vieille qui était tout en sucre. Le petit vieux et la petite vieille n'arrêtaient pas de se disputer. Il y avait des jours où ils s'aimaient, mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient. Un jour, ils se sont disputés plus fort que d'habitude. Et le petit vieux qui était tout en sel a dit à sa petite vieille « Fiche-moi le camp, sale petite vieille en sucre ! Fiche-moi le camp, va te faire une maison en terre !» Et la petite vieille, qui était tout en sucre, est partie, en pleurant, mais en pleurant pas trop, pour pas faire fondre ses petites joues qui étaient tout en sucre. Elle s'est fait une petite maison, tout en terre, une très jolie petite maison. Puis elle est entrée dans sa petite maison. Mais elle était bien malheureuse dans sa petite maison, elle n'avait plus son petit vieux. Un jour, elle était trop malheureuse, elle est allée à la maison en sel et elle a frappé au carreau. « Mon petit vieux !» Le petit vieux est venu, tout en sel, il a dit « Non ! Va dans ta maison en terre !» Alors la petite vieille est repartie. En pleurant, mais en pleurant pas trop, pour pas faire fondre ses petites joues qui étaient tout en sucre. Elle est rentrée dans sa maison en terre, mais elle était si malheureuse dans sa maison en terre. Elle pouvait même pas pleurer. Alors elle a dit « Je voudrais que le ciel pleure à ma place !» Et il s'est mis à pleuvoir. À pleuvoir sur la petite maison qui était tout en sel. Et la maison en sel s'est mise à fondre. Le petit vieux, qui était tout en sel, est sorti de sa maison sous la pluie. Il est allé à la maison en terre. Il a frappé au carreau. La petite vieille est venue. Elle a fait « Non !» Et puis elle a vu qu'il pleuvait et que son petit vieux allait fondre. Alors elle a ouvert la porte de sa maison et le petit vieux qui était tout en sel est tombé dans les bras de sa petite vieille qui était tout en sucre. Et ils se sont donné un baiser sur la bouche. Mais comme le petit vieux était mouillé, ils sont restés collés. Et quand ils ont été secs, il a fallu qu'ils se détachent. Et le petit vieux, qui était tout en sel, après le baiser, avait la bouche tout en sucre. Et la petite vieille, qui était tout en sucre, après le baiser, avait la bouche tout en sel. Et depuis ce jour-là, ils sont toujours d'accord. C'était les deux maisons. Une histoire contée par Didier Kowarski, illustrée par Samuel Ribeyron, aux éditions Didier Jeunesse, dans la collection À Petit Peton.